Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Ben là, je vous retrouve sur Watch Dog Légion pour la suite des épisodes. Donc là, je vais vous faire l'épisode 15 des amis. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entière, ça me ferait grave plaisir. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Car cette vidéo va durer 15 minutes. Allez, c'est parti. Vous voudriez peut-être aller en bas avec les autres. Vous voudriez peut-être rejoindre les autres. Voulez-vous faire une sieste? De se dire qu'une personne aussi dérangée était à la base simplement normale. On n'hésite pas à prendre tout ce qu'il y a dans les pièces. Comme ça, il y a peut-être des codes, il y a peut-être des trucs à récupérer. Donc vous voyez, il y avait un chiffre. Donc je pense que ça fait partie d'un code pour ouvrir une porte. Bah, allez, c'est parti. On va ouvrir cette porte. On va passer tranquillement. Vous entrez dans Let's go. En tout cas, ça a l'air d'être bizarre ici. Donc il y a toujours des trucs à récupérer. Donc là, il y a encore un truc. Donc c'est encore un dessin avec un autre chiffre. Raffine Ronald a pris fin à 13h27. Le sujet est décédé à 13h29. Soit une détérioration post-scanner de 2 minutes. Ce qui est une avancée majeure. Tu vois, comme quoi tu as beaucoup de chance, maman. Sujet prêt pour la suppression de Ronald. Sky Larsen. Maintenant, entrez dans ma chambre. Aujourd'hui, premier jour, nous allons passer à l'étape de la suppression neuronale. Le sujet est Sinéad Larsen. Activation en cours. Sky, où est-ce que je suis? Je n'y vois rien. La lucidité du sujet confirme ce que le code indique. La carte neuronale est intacte et fonctionne parfaitement. Le sujet? À présent, nous allons supprimer des lignes de code. Quoi? Oh mon Dieu, tu m'as désolé. Ça suffit, maman. Mon ange, je t'en supplie, ne fais pas subir ça à ta pauvre mère. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as jamais cru en moi, maman. Il est temps que ça change. Deuxième jour. La région motrice n'a aucune utilité. Contrôle A supprimé. Je me sens mal. Douzième jour. Pour l'instant, préservons le code limbique. La réponse émotionnelle est fascinante. Pitié. Vingtième jour. Passons au lobe frontal. Mon nouveau système de sécurité n'aura plus... La douleur est insoutenable. Code temporal. Fonction du langage altéré. 29e jour. Cette fois, nous allons supprimer le code limbique. En quoi puis-je vous être utile, Sky? Allumez et éteins la lumière. Très bien. Mets-moi de la musique. Tu sais bien ce que j'aime. Parfait. Cette nouvelle configuration devrait fonctionner à merveille, qu'en penses-tu? En même temps, quand t'as aucun respect pour la vie, t'en as pas non plus pour tes parents. Voilà qui explique sa procédure. Elle prend un esprit humain entièrement modélisé, puis elle le lobotomise jusqu'à en avoir le contrôle total. C'est assez dérangeant. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous m'avez jamais pris pour votre fille, c'est ça? Vous vouliez que je voie ce qu'elle a fait. Oui. Bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'y vois rien. J'ai peur. Je dois retrouver Sky. Vous savez où elle est? Oui. Sortez-moi de là. Je ne veux pas vivre ainsi. Sky est malsaine. Je voudrais être sûr de comprendre. Vous me direz où elle est si je vous aide à mourir? Oui. Laisse-moi partir en paix. Comment?
J'ai reçu les coordonnées, ainsi qu'un message disant simplement « Merci ». Bon, on peut s'en aller, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, on va récupérer des objets, voilà. J'ai récupéré une coupe et un dessin pour pouvoir ouvrir cette porte, parce qu'on pouvait pas l'ouvrir tout à l'heure. Donc allez, c'est parti, on va rentrer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être des trucs intéressants. Donc en tout cas, non, il n'y a pas grand-chose, il y a juste une photo. Donc on va regarder ça. Y a quelqu'un ? Note ? Je suis en haut. Viens me rejoindre quand tu seras prêt. Tu savais ce qu'on allait y trouver, n'est-ce pas ? Ouais. Sa mère m'a supplié de là. Mais j'ai pas pu. Tu comprends les enjeux maintenant ? Elle se prépare à lancer Daybreak. Et si elle y arrive, des milliers de gens vont connaître le même sort. Et ils mourront pas tous. Sky pourra les torturer pour l'éternité. La mère de Sky m'a donné son adresse. On sait où la trouver à présent. Vraiment ? Oh, parfait ! Alors, t'en dis quoi ? T'es avec moi ? On est prêt. On s'occupe de Sky. Toi, tu couvres nos arrières, d'accord ? Ça marche. Eh bien, la mission que nous avons rétroactivement baptisée Opération Traumatisme dans le sexy donjon de Sky Larsen fut un franc succès, et je viens juste de décoder les coordonnées de sa cachette secrète. On y va, alors. Pile au bon moment. On vient de recevoir un message vidéo de Sky Larsen. Montre-moi. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, pour ce que vous pensez avoir vu chez moi, mais je vous conseille de rester à distance. J'ai consacré ma vie au programme Daybreak, et je ne laisserai personne détruire mon projet. Je vous suivrai sans relâche, et je ferai de votre vie un véritable enfer. Car moi, j'en ai les moyens. Et vous ? Mais comment elle a fait pour nous trouver ? Sky Larsen a construit une forteresse contrôlée par sa mère lobotomisée, et c'est ça la question que vous me posez. Sa mère l'avait peut-être mérité ? Comme la mienne ? Elle doit avoir peur. Sinon, elle n'irait pas jusqu'à nous menacer. Elle a raison d'avoir peur. Allons la chercher. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Vous êtes arrivé à destination, le complexe Bloom. Depuis que Larsen a vendu votre humble serviteur à Bloom, elle est restée assez proche de l'entreprise. Alors là, c'est de mieux en mieux. C'est super, mais cet endroit est plus grand que le cul d'un dinosaure. Tu peux pirater des serveurs pour savoir à peu près où elle est ? Bien reçu, je m'en occupe. Donc là, j'ai tiré pour qu'ils ouvrent la porte. Donc là, il y a des ennemis qui vont arriver. Donc je pense qu'ils vont ouvrir la porte, ça c'est sûr. Ah bah c'est bon. Ça c'est cool. Pour éviter de l'ouvrir et tout. Parce que j'avais essayé avec l'araignée. Et l'araignée, elle a été détruite à l'intérieur. Et du coup, je pouvais pas la réutiliser. Fallait que j'attende. Et j'ai préféré tirer partout. Pour que les ennemis sortent et que la porte elle s'ouvre. Que ça aille beaucoup plus rapidement. Ah dommage, je me suis fait arrêter. Mais ça fait rien, on va changer de personnage. Voilà, on vient de changer. Donc lui, il est vraiment cool. Ah, il fait délirer ce personnage. Il se bat vraiment hyper bien. Et il fait énormément mal. Donc ça, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à changer de personnage, genre, dans différentes missions. Parce qu'il y a des missions où il y a certains personnages qui seront plus utiles que d'autres. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment important. Donc là, je vais attendre que l'ennemi vienne vers moi. Donc je pense qu'il va venir. Et comme ça, on va pouvoir le tuer discrètement. Donc ça, c'est cool. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, il va arriver. On va attendre qu'il se retourne un peu. Et comme ça, on va le distraire. Hop, non, mais on va même pas le distraire, en fait. On va l'attaquer direct. Oh, ah, vous avez vu la droite. Elle est tombée direct. C'est un truc de malade. Allez, boum, KO, direct. Dans les pommes, les gars. Bah, allez, c'est parti. On va continuer à avancer. Donc là, il faut trouver la clé d'accès pour pouvoir ouvrir les portes plus facilement. Donc là, on va faire quoi ? Voilà, on pirate la caméra, histoire d'ouvrir ça déjà. Voilà, désactiver ça. Comme ça, on peut passer tranquillement déjà. Donc là, il y a des ouvriers. Je sais pas si c'est des ennemis ou pas. Mais je vais quand même en éliminer un pour voir. Ah bah, je vais les éliminer quand même. Même si c'est pas des ennemis. Hop. Hop, la petite droite. Ah, il voulait se battre, mais il a même pas eu le temps. Hop là. Voilà, donc là je vais avancer. Donc là, pirater le serveur de Bloom. Donc on va aller pirater ce serveur. Donc ça a pas l'air d'être très long. On va prendre la clé d'accès déjà. Comme ça c'est fait. Comme ça on est tranquille. Donc là on télécharge ça. Donc on est bientôt à 100%. Donc voilà, c'est bon, ça c'est fait. Donc on va pirater le drone ici. Parce que il va nous servir pour avancer.
Et puis aller au point jaune. Donc on va faire ça, triangle, on va le contrôler. On va descendre avec le drone. Donc ça c'est toujours autant stylé, moi je kiffe contrôler les drones ou les araignées et tout. C'est vraiment trop cool. En tout cas c'est pas très dur à conduire, donc ça c'est bien. Donc là je cherche un endroit par où je peux passer. Donc là je trouve pas vraiment. Ah si c'est bon, c'est là. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà, c'est bon, nickel. On ouvre la bouche de ventilation. Hop, on passe dans les trous. Donc il y en a encore un là, on va descendre. Voilà, nickel. Donc dites-moi où vous en êtes dans l'aventure. Si vous avez déjà fait cette mission ou pas. En tout cas, ce serait cool de me dire. Donc n'hésitez pas, dites dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et vraiment, regardez cette vidéo en entière. C'est vraiment important, les amis. Vraiment, je serais vraiment ultra content si vous regardez cette vidéo en entière. Et ça me permettrait que YouTube me mette un peu plus en avant grâce au Watch Time. Cher conseil d'administration, je suis ravi de vous montrer mon nouveau complexe. Il servira d'extension à mon laboratoire quantique et accueillera de nouvelles expériences que je préfère ne pas dévoiler pour le moment. Oui, c'est bien de l'or que vous avez sous vos pieds. De l'or qui, en quelque sorte, n'attendait que moi pour briller d'un tel éclat. Larsen s'est découvert une passion pour les constructions souterraines ou quoi, je te jure. Voilà, tiens, plus qu'à choper un ascenseur qui descend. Trouvons un ascenseur. Donc allez, c'est parti. Donc là, c'est pas un ennemi, donc je vais pas le tuer. Je vais le laisser tranquille, c'est un ouvrier. Il est en train de faire quelque chose sur les serveurs et tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va aller dans l'autre pièce à côté. Oh, donc là, c'est ouvert, donc ça, c'est cool. Donc là, je suis pas dans une zone rouge. Mais bon, on va quand même avancer. Ok. Donc là, il me parlait de... d'un autre personnage, comme quoi il est dans les barreaux, donc il est en prison. Donc il me dit de prendre un avocat comme personnage pour réduire la peine, donc ça c'est cool. Donc je penserai un jour de prendre un avocat dans mes nouveaux personnages, ça pourrait être utile, vraiment. Donc faudra que je le fasse. Donc là je vais désactiver, voilà. Donc il y en a un qui a capté. Donc j'espère que je vais pas me faire attaquer. Bah, si je me fais attaquer, ça fait rien. Ah, il m'a capté, lui. Oh là là! Il m'a même pas capté! J'ai réussi à le prendre par derrière, c'est n'importe quoi. Il s'est dit... il m'a même pas attaqué, quoi. Et lui, je vais l'avoir aussi. Bah, j'espère, en tout cas. Oh, la petite esquive! Putain, je fais pas de dégâts, il se protège trop. Allez, faut que je fasse une prise. Pour éviter... Oh, la petite esquive. Je vais faire une prise aussi. Hop. Ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah, il fait vraiment mal avec ses coups. Donc, je vais éviter de me prendre des coups. Hop là. Hop, je vais essayer de faire une prise. Voilà, nickel. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc là, ils disent, entrez dans les laboratoires quantiques. Donc, allez, c'est parti. On va rentrer dans le laboratoire quantique. Donc, c'est juste à côté. Donc le point il est pas très très loin. Je vais éviter de me faire repérer par des ennemis. Donc ça je vais récupérer. C'est un coffre fort, il y a sans doute des trucs à l'intérieur. Il y a sans doute de l'argent, de la monnaie. Voilà, de la étau. Donc là plus 1057. Voilà, donc c'est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu partout. Ça peut être toujours utile. Donc là on va accéder dans cette pièce. Voilà. Donc je pense on va trouver l'ascenseur. Donc là je vais activer ça. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, c'est parti, on avance. Donc ça a ouvert la porte. Je pense que ça sera pour sortir. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc allons-y. On va prendre l'ascenseur. Et on verra ce qu'il y a en bas. En tout cas je pense que ça va être hyper intéressant. Oh, wow, ça a l'air d'être trop stylé. Il y a un cerveau et tout. Bah merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et allez, bye les amis.